Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DaysAdNetwork.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mad se pose à Tchernarus. Alors, je suis au campement, il n'y a plus de véhicules, bon, peut-être que quelqu'un les a trouvés. J'ai aussi remarqué ici, alors juste quand je suis arrivé, c'était en feu, bon, je pense que ça doit être un bug, mais il y a ce véhicule de police là-bas qui est mort, tout simplement. Donc je sais pas si quelqu'un a trouvé le campement ou au moins les véhicules, je sais pas, en tout cas il n'y a plus de véhicules. Ici il y a les tentes avec toujours du stuff dedans. Je sais pas si c'est Asso qui a rajouté tout ce qu'il y a là-dedans, mais une personne en commentaire de la vidéo de ma vidéo précédente sur Tchernarus a indiqué avoir blindé les tentes de stuff, que ce soit de bouffe ou de trucs comme ça. Donc tout d'abord merci, mais ensuite ne le refaites plus jamais. Voilà, ne touchez pas aux tentes, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la première chose que j'ai à dire. S'il vous plaît, ne venez pas apporter votre grain de sel dans le campement. Voilà, ne venez pas déposer des véhicules, ne venez pas rajouter des tentes, rajouter du stuff ou quoi que ce soit. Non, ce serait gentil. On va essayer de faire ça avec juste Asso et moi. On va essayer de monter notre campement, voilà, comme des grands. Donc, c'est pas la peine de vouloir aider. C'est gentil, mais non merci. Voilà. Donc voilà. Et si ça continue, on arrêtera, ou alors on changera de campement, ou alors on jouera chacun de son côté. Mais voilà. Donc c'est juste pour vous dire, ne venez pas apporter votre grain de sel dans le campement. Voilà. Je vais regarder vite fait le véhicule de police qui est cramé là-bas. Et ensuite on verra. Voilà, donc ce truc il est complètement mort. Visiblement il n'y a rien d'autre. Bon, bah plus de véhicules, tant pis, va falloir aller en chercher un. Du coup, là où j'ai le plus... Je voulais aller faire autre chose, mais vu qu'il n'y a plus de véhicules, bah... enfin je vais vous montrer. Ce sera plus rapide. Je vais me remettre au niveau des tentes si je les retrouve. J'ai du mal en ce moment. Quand je me suis connecté, je crois que j'ai mis 5 minutes à retrouver les tentes. Aïe aïe aïe, pourtant... Non, ben mon dieu. Ah, je crois qu'elles sont là. Oui. Ok. Carte, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais faire à la base, c'était les villages qui sont par ici, là. Je voulais aller looter un peu tout ça, histoire de se ramener du matériel. Mais vu qu'on n'a plus de véhicules, ce qu'on va faire, on va aller à Stary Sobor et à Novi Sobor. J'espère qu'on trouvera un véhicule. Ce serait bien. Et après, on verra. Donc voilà, premier objectif déjà de la journée, ce sera trouver un véhicule. Donc je vous retrouve quand je serai, je sais pas, à Stary ou à Novi, on verra bien ce que je décide en premier. Et puis voilà, donc c'est parti, à tout de suite. Voilà, donc je suis en approche de Novi Sobor, j'ai du agro... Enfin, voilà, je viens d'agro. On va se mettre en semi, merci. Ouais, je pensais que j'avais un silencieux. Bon, tant pis. On va voir si on trouve un véhicule ici, ça serait franchement cool. Parce que... Voyons voir. Là, je suis blindé. Oh merde, j'ai rien là. Ok, d'accord. J'aurais... Ouais, non. Bon, bah du coup, j'ai de la place. En fait, je pensais prendre un véhicule pour avoir de la place et pouvoir prendre une tente. Ah, il y a déjà un quad. Oh yeah, il a l'air dans un bon état si j'arrive à le choper. Voilà, merci. Ah merde, non. Oh oui. Et un véhicule, un. Et merde, ça passe pas. Là, j'ai l'air con. Voilà, nickel. Eh ben, on va... Bon, j'aurais quand même trouvé mieux que ce quad. Donc, je vais aller à Stary pour voir s'il y a mieux. Parce que je me sens vraiment pas en sécurité sur un quad, ça fait un max de bruit. Et on est vraiment pas couvert en quad. Hein. Donc voilà. Donc je vais voir si je trouve quand même un peu mieux. Pour rester un minimum discret, je vais quand même
Oh, et puis merde, non, je vais rester en panne. Voyons voir. Ah si, je vais quand même le poser là parce que j'aggro tous les zombies. Ne pas oublier, il est sur la route principale vers le début du village. Je vais baisser un peu le son de la musique. Non, mauvaise touche. Je vais baisser un peu le son de la musique. Cannot fire. Et pourtant, elle est pas forte. Hein. En fait, j'aurais bien aimé, pas aggro tellement. Je vais essayer de les semer quand même. Parce que là, c'est un peu la mort. Allez, là, foutez-moi la paix. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de véhicule. Non, que des épaves, super. Je vais vite fait looter ce bâtiment, sait-on jamais. Non. Aïe 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 aïe. Je vais voir s'il y a une tente rapidement ici. Non, il n'y a pas de tente. Je vais quand même pas passer à côté de ça. Je viens de voir des chargeurs. 2911 juste ici. Allez, prends-la. Hop, c'est vrai que je les gaspille pas mal. Ok. Toujours pas de tente. Une boussole, non, ça ira. Alice Pack. Waouh, il fait jour. Ça pique les yeux. Ok, bon ben. Voilà, surtout ne t'ouvre pas. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment aucun véhicule. Bon, ce qu'on va faire. On va. Je vais récupérer mon quad. Et on va peut-être aller se diriger à l'airfield. Ça pourrait être pas mal. C'est assez loin, mais je pense que mon quad, ça devrait pas me prendre trop longtemps. Si je trace... Ouais, enfin, faut quand même que je fasse gaffe. Mais, ouais, j'aimerais bien aller à l'airfield. Ça fait super longtemps que j'étais plus à l'airfield du Nord. Et il n'y a vraiment aucun véhicule. Vraiment aucun, ici. Ah tiens, je vais... Ah, il y a un moteur ici, ça c'est bon à savoir. Il y a quelque chose là-bas. Je voulais aller justement en bordure parce que je me souviens qu'à l'épisode précédent, il y avait pas mal de quad en bordure. Ah bah voilà. Effectivement, il y en a pas mal. Et je vais aller voir ce que c'est le truc au fond là-bas. Alors, c'était où? Ah, c'est tout là-bas. Ok. On va aller jeter un coup d'œil. C'est peut-être un camion. Ouais, hein, ça a l'air d'être un espèce de blindé. Ça peut être sympa. Bon bah des quads, il y en a absolument partout. Ça c'est bien. Ah non merde, c'est une épave. Ah mais il y a du stuff à côté je crois. Ah c'est dommage. C'est dommage. Il y avait du stuff à côté, je suis sûr. J'ai vu un truc quand j'étais encore au loin. Pouah, c'est à rien. Alors est-ce que j'ai la carte? Oui. Donc là on est voilà quelque part près de Starry. Oh, c'est vraiment pas loin l'airfield. Tac tac tac. Et tout droit. Ouais quasiment. Donc on va à Cabanino, deuxième à droite. C'est ça hein? Cool. Allez. Bon bah vu que je suis en quad, ça va pas prendre trop longtemps, je vais vous garder avec moi. Et comme ça, si je vois que... Hé hé! Na 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 na!
pas. Bon bah, ah non, je les ai eu les deux. Ça m'a quand même bien ralenti, mais je les ai eu. Attention, décollage. Ah non, pas tellement quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est encombré les routes ici. Il va falloir faire super gaffe. Voilà pourquoi je vise. Ça va pour l'instant, je gère. Oh my. Ok, sans problème. Cool. Alors, je vais profiter de ce petit moment calme pour vous parler. J'ai acheté un tout nouveau micro, une nouvelle carte son, enfin bref, normalement ça devrait dépoter sec. J'ai déjà reçu tout ça, mais je l'ai pas encore j'ai pas encore branché tout le matos parce que voilà, il est tôt, je suis fatigué. J'ai pas envie de le faire, enfin je suis fatigué, non, je viens de me lever, voilà. Donc j'ai pas spécialement envie de faire ça maintenant, mais normalement je devrais pas tarder à me servir de tout ça. Et donc ça devrait être super cool. Voilà. J'ai hâte de tester le matériel, c'est du lourd. Ça peut être sympa. Je dois prendre cette route là, non, c'est pas possible. Attends. Cabanino. Ah bah si, c'est là, je crois que c'est une route pourrie. Ah oui, c'est ça. C'est ça? Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Attendez, je vais voir plus loin s'il n'y a pas une autre route. Ah voilà, c'est quand même un peu mieux ça. Ouais, c'est peut-être même tellement mieux que c'est pas ça. Non, ça c'est celle-ci. Ah mais ça va aussi à l'airfield, parfait. Donc voilà, nouveau matos son qui devrait arriver je pense pour le prochain épisode, j'espère. Et voilà. Ça, je suis super impatient de le tester. C'est vrai que parfois il y en a quelques-uns qui se plaignent de mon micro. Il fait des espèces de bruits bizarres. Il y en a qui pensaient que c'était parce que j'activais le micro et du coup ça faisait un espèce de pop, mais en fait non, mon micro il est tout le temps activé, donc c'est ça, c'est pas ça, donc je sais pas ce que c'est. Et quand je sais pas ce que c'est, bah, au moins je change. Voilà, donc j'espère que le nouveau micro fera l'affaire. Et vous me donnerez des retours, mais comme dit, je l'ai pas encore utilisé. Donc, mais je vous dirai quand il sera en place et vous pourrez me donner vos retours, me dire si c'est mieux, si c'est moins bien. Enfin, si c'est moins bien, ça me ferait chier quand même. mais c'est pas grave. Ah ben. Ok, salut les bots. Putain, ils sont bien stuffés les cons. Le problème, c'est que si je m'en prends à un, ils vont tous me... ils vont tous me déglinguer. Il faut faire gaffe, hein. Ah, ils se sont mis en chasse. Il y a un hélicoptère. Ça doit être un hélicoptère de bot, je pense, vu comme il fait du surplace. Donc faut faire gaffe les bots, ils sont pas tout gentils. Il y a des bots qui sont gentils et d'autres qui sont pas gentils. Il y a les bandits bots. C'est quand même bizarre hein, de voir tout ce raffut sur un serveur. C'est par où qu'on rentre? Bon, je vais poser mon quad ici. Et on va. Donc là, on est dans la première zone militaire de l'airfield. Normalement, il y a un bâtiment, un baraquement, voilà, il est juste ici. Je pense que je vais rusher le bâtiment, tout simplement. Il va falloir faire gaffe, hein. Il va falloir faire attention aux bots, pas tirer sur les mauvaises personnes. Ouais, non, je... Makarov. Ah tiens, je peux boire parce que là je suis en train de mourir de soif.
Tu vas prendre le soda ou merde. Voilà. Ah, ici, il y a de la bouffe aussi. Je vais peut-être manger le MRE, le repas prêt à manger. Voilà, merci. Ok, ça va mieux. Bon, on est quand même venu pour du matos militaire. Et il n'y a que de la bouffe. Ah non, il y a un Stanag là. Bah, je vais prendre le MRE, le Stanag, voilà. Ah, j'ai encore un M1911 dans le sac. C'est pas grave. Au besoin, je m'en sépare. Tiens, je vais quand même vérifier, pas que ce soit une grenade. Ce n'est pas une grenade. Allez, on se barre de là. Allez, vite, 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 vite. Putain, il est pas mort et je saigne comme un pauvre con. Tra. Fait chier ce banc aussi. Bon, ça commence pas top. Hein. Que ce soit niveau. Je vais peut-être m'équiper un peu mieux. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Et au besoin, je change. Donc, je viens de repérer un care package en plein milieu de l'airfield. C'est blindé de zombies. Je sais pas comment je vais gérer tout ça. Il y a un avion. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs. Non, ça c'est une épave. Je ne me ferai pas avoir de fou. Donc, le care package, il est là. Il y a l'air d'y avoir du stuff autour, mais il y a aussi énormément de zombies. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil aux jumelles? D'abord le care package. Ok, je le vois plus. Oh, et puis merde. Ah, j'ai aggro. Bon! Eh ben, c'est le moment où on va faire n'importe quoi. Je vais courir, me mettre au niveau du care package. Aggro, tout ce que je vais devoir aggro. Et après, j'aviserai. Et puis si ça vaut pas le coup, ce sera quand même le pompon. Oh, et ça vaut pas le coup, y a quasiment rien. Bon. Suicidaire, suicidaire. Je suis suicidaire. Là, ils font chier les bots à prendre les hélicos. Pour une fois, j'en aurais bien pris un. Bon, est-ce que je vais trouver. Et j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Faut que je mange tout ce que j'ai. J'ai pas de. Si, j'ai de la. J'ai des steaks. Ah, mais il est là, mon sang. J'aurais dû prendre plus de steak dans la tente. Bon, eh ben, y a rien ici, y a rien qui m'intéresse, donc on va se barrer. L'avion, je me le garde pour plus tard. Je vais d'abord aller faire le tour de l'airfield. Y a des cadavres là-bas. Il y a une petite camionnette. Enfin, y a une voiture bleue par ici. Bien, il met un véhicule un peu militaire, quoi, un peu blindé. Et là, tu te dis, est-ce que cet hélicoptère est rempli de gentils ou de méchants? Bon, déjà, il me tire pas dessus, c'est une bonne chose. Aïe, 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 aïe. Bon, le reste. Tranquille, je suis au milieu de l'airfield, tout va bien. Ah, il y a un hélicoptère. Cool. Enfin, il y a un hélicoptère, mais le campement, il y a tellement d'arbres autour que je sais pas si je suis capable déjà. Et si c'est faisable de le poser dans le campement. Bon, on va continuer de faire le tour et je me déciderai ensuite. Je sais que ça ferait plaisir à Asso que je ramène un hélicoptère, mais honnêtement, ça va être tendu du slip. Hein.
Sérieux? Bon, je vais aller à la tour de contrôle déjà. Il n'y a pas grand chose d'autre, hein, c'est ça le problème. Je crois que je vais vraiment repartir en hélico. Je vais me mettre à la tour de contrôle et je vais regarder la base avec mes jumelles. Voilà. Il y a encore un autre avion. Un avion, ce serait juste impossible de poser au campement. Donc ça, c'est même pas la peine d'y penser. Bon, c'est parti. Allez, il faudrait qu'il y ait un snipe, comme ça je peux me faire l'hélico. Allez, bon, là, d'abord j'aggro, bah oui, sinon c'est pas drôle. On va quand même visiter le propriétaire. Et c'est complètement vide. Ok, bon. Ah oui, il y a encore un baraquement dans cet airfield. A priori, il n'y a pas grand chose. Hein. Le baraquement, il est juste là. Non, il n'y a vraiment pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'il est soufflé comme ça, mon bonhomme? C'est d'avoir monté les échelles là, qui t'a tué. Ah, il manque une roue. Bon bah c'est déjà pas avec lui que je vais repartir. Eh, je suis en train de viser quoi, moi. Ah, le mur. Donc, ah tiens, on va jeter un coup d'œil à cet hélicoptère. Ah ouais, il y a du monde autour elle, enfin bref, c'est la merde. Ok, bon. Premier objectif, le baraquement. Deuxième objectif, l'hélicoptère. Bon, et on va partir en hélicoptère si je peux. Même si je sais pas encore ce que je vais faire avec. Si, c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire avec l'hélicoptère. Si j'arrive à prendre l'hélicoptère, je vais essayer d'aller me poser sur un toit d'un gratte-ciel. Enfin, un gratte-ciel, c'est un grand mot. Sur le toit d'un immeuble de Tchernarus. De Tcherno. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Si je peux le faire, je le ferai. Si je dois mourir, tant pis, je mourrai. Cet hélicoptère, il ne me met pas en confiance du tout. Mais bon, il a l'air gentil. Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne tire ni sur les bottes, ni sur moi. Ça, c'est plus ou moins étrange. Alors, je vais juste passer par ici, parce que là, j'ai quand même beaucoup de monde aux fesses, donc si je peux semer une ou deux personnes, ça m'arrange. Ouais, ça serait bien, ça. Réussir à poser l'hélicoptère. Je sais qu'Asso l'avait fait, quand on jouait ensemble sans record, il nous avait posé une fois. Et ce serait bien de le refaire. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'à l'épisode d'après, mon hélico, normalement, il devrait encore être là. Hein. Donc, si quelqu'un réussit à me piquer un hélicoptère posé sur un immeuble qui n'est pas accessible autrement... Ouh, ça a l'air d'être du lourd, ça. Wow, il n'y a rien du tout. Ok, tout va bien. Super. Wow, violent. C'est quoi ce truc? Cette arme, elle déchire. Oh, je l'avais même pas vu, lui. Et combien de chargeurs avec? Deux chargeurs. Non, je peux pas. Donc, ce que je vais faire, je vais juste les prendre avec moi. Attendez, il faut 5 slots. Ah, j'ai pas assez de slots. Non, j'ai vraiment pas assez de slots. Bon, c'est pas grave, je prends juste les chargeurs. Voilà.
7 armes elle claque. On n'a plus que les chargeurs qui vont avec. Et ça peut être excellent. Allez. Direction l'hélicoptère. Avec le lot de zombies qui va avec. The Shadow. J'espère qu'il n'est pas à l'airfield. Hein. J'espère qu'il n'y a aucun joueur à l'airfield. Parce que là, on peut pas dire que je joue dans la sécurité. Allez. Mais c'est bizarre aussi parce que les zombies n'aggro pas cet hélicoptère là. Pourtant, il fait un max de bruit et tout. Oh là 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 là. IMS Winnie dans la merde. Je vais pas visiter la. Bon, allez. Non, j'ai pas envie. Je veux partir en hélicoptère. Mais là, ça va être tendu parce qu'il va falloir que je démarre l'hélicoptère et que j'ai le temps de démarrer avant de me faire frapper par ces zombies, avant qu'ils me pètent les vitres ou je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire à un hélicoptère. Et surtout, il a intérêt à marcher. Parce que me poser en avion sur le toit d'un building, là, ça va déjà être plus tendu. Hein. Allez, s'il te plaît. Ah oui, éjection. Pendant ce temps, je tourne. Comme ça, le moteur, il a le temps de chauffer, il a le temps de se mettre à... Le rotor, il a le temps d'arriver à la bonne vitesse. Et moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh yeah, motherfucker! Hey, hey! Tout va bien. Vol stationnaire auto. Et on prend la carte. Donc, on va aller se poser à Tcherno. Bon, là, de mémoire, je ne sais plus quel bâtiment... Je vois dans ma tête quel bâtiment je veux aller, sur quel bâtiment je veux aller, mais... Alors, c'est quelque part par là-bas. Waouh, 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 regardez. Excellent. Bon, comment ça se pilote ce truc de nouveau? On tourne avec la souris, on avance avec la souris, et on avance avec A. Pour ceux qui ne sentent pas ce vol, tapez 1. Ceux qui pensent que je vais réussir, tapez 2. Allez. Ah, il y a The Shadow qui parle dans le chat. Je ne l'entends pas, là, il y a trop de bruit. Oh. Ça avance quand même vite en hélicoptère, hein. Y a rien à dire. Ouais, c'est super rapide, c'est un truc de fou. Donc ici, vous pouvez apprécier la ville de Starry Sobor sur votre gauche, qui commence à disparaître dans les nuages. Et après, je sais pas. C'est la seule que j'ai reconnue, là, vite fait. C'est trop la classe. Là, c'est quand même beau, hein, y a rien à dire. C'est un truc de fou comme tu te déplaces vite dans un hélicoptère. Ok, on approche. Comment est-ce qu'on descend? Avec W? Voyons voir, le bâtiment sur lequel j'aimerais me poser.
C'est celui-là. Là, celui qui est juste à gauche de l'hélicoptère. Si je dis pas de bêtises, c'est faisable. Alors, on va se mettre dans l'axe. Attention, on descend. Je crois que c'est avec W qu'on descend. Oui, je suis en train de réduire mon altitude. C'est trop la classe, non? Je surkiffe, en fait, être comme ça en hauteur. J'espère que vous m'entendez avec le bruit du rotor. Hein. Avancer en vol stationnaire auto, c'est pas évident. Parce qu'à chaque fois, il veut rétablir le truc pour empêcher d'avancer. Alors, en même temps, on a une bonne vue de Tcherno, là. Allez, on avance encore un peu, ça devrait être pas trop mal, je pense. Ah, on est même trop, là. Allez, on descend. On verra bien où est-ce que je suis après. Pas descendre trop vite non plus. Alors, il va falloir faire gaffe à ce petit truc. Oula, oula, pas tellement. Pas tellement, reste droit. Allez, faites vos pronostics. Est-ce que je vais mourir? Oh là 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 là. Il veut pas se stabiliser là? A priori, ça passe. Mais bon, moi et les hélicos, ça fait 14 000. Attention. Vous pouvez toujours voter. Faut peut-être que j'avance là, non? Regardez, ça, ça va toucher ici. Bon, est-ce que je peux encore avancer? Oh mon dieu. Décolle, décolle, décolle. Oh là 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 là. Ok. Putain, et ça va me prendre 3 plombes à faire ce truc. Ah, il faut vraiment que j'avance, parce que sinon, cette espèce d'étoile là, elle va me gêner. Voilà, par là, ça devrait être bon. Voilà, par là, ça devrait être bon. Je vais aller un peu à droite, on stabilise, et on descend. Oula, 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 oula. J'ose pas le poser. Oh oui! Ah, ça fait du bien. Voilà, matos. Et il n'y a rien dedans. Wow. Qui l'eût cru? Je l'ai fait. Oh yeah, I did it. Bon, je suis sûr qu'Asso l'aurait fait sans le vol stationnaire auto, mais moi, pour l'instant... c'est trop la classe. Et là... Il n'y a personne qui vient de faire chier, à part un autre mec en hélico, mais bon, ça ce serait vraiment pas de bol. Et t'as une bonne vue, donc il y a un tracteur, il y a un camion là-bas, non ça c'est une épave. Il y a un quad là-bas. Il y a énormément de véhicules. Ça c'est cool aussi. Il y a encore un quad là-bas. Il y a le petit véhicule bleu juste ici, le van. Ah. Bon. Bah je descends, hein. Non, surtout pas. Je crois qu'on peut descendre par ici, ouais. C'est une échelle ou pas?
Non, il faut sauter. Donc si tu sautes, tu ne remontes plus. Et du coup, je serai coincé. Parce que je peux plus monter, je peux plus descendre. Donc je n'ai plus qu'à me suicider. Je vais rester là. Bon, bah, j'espère que mon petit exploit, du moins un exploit, c'est à mon échelle. Hein. Ça, j'espère que ça vous aura fait marrer. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous pensiez que j'allais mourir. Je pense que beaucoup vont le dire. Parce que je suis plutôt une plaie, moi. En hélico, voilà, ça me fera marrer de lire vos commentaires là-dessus. Bah sur ce, on va se quitter, et puis voilà, hein. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.